Alléluia. Amen. Bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Niekafu miapeto Yesu Christo Benko. Qui nous a encore fait grâce d'être parmi les vivants. Ya ikene gawa menvevenami benamiano agbagbe odomi. Comme vous le savez, nous sommes encore à l'heure de l'émission. Savez-vous le prix d'une âme? Abale kimienia miegavado de mienia luvodeka pe asikohope onaomi. Donc, nous sans tarder, nous allons prier le Seigneur. Kemima hede megbe wa mi adogbeda. Papa, trois fois saint, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous demandons que ton Esprit Saint, Seigneur, nous visite et nous interprète clairement ta parole. Utilise-nous pour bénir ton peuple encore. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous allons lire notre texte de base dans Matthieu 16, le verset 13 à 18. Mia hle mia pe gomedo pe kwikwi ale Matthieu pe agbale eta wi aden kwikwi wi eton so yi wi enyi. Je lis d'abord en français. Mia hle le vo gbe mi. Pierre reconnaît Jésus comme le Christ. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux et moi. Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Matthieu P. Agbalin est à oui, Adin, Tchokoukoui et ton soyoui et Niliadji. Affirmant, on l'a dit, Eye, si Yesu va Kaisaria, Philippine, Toho, Mela, Ebia, Epenusron la au Bena, Ameka, Ameo, Blona Bena, Amegbeto, Vila, Niemahan, Eye, Wao, Blo Bena, Deo Bena, Johannes Mauchide Talaye, Ke Bubu Obena, Eliaye, Eye Ameadeo Ha Globena, Yeremia. Alo, Nyaglodila Wo Domito de Kaye, Eglona Obena, Ke Miaola, Amekaye Mieglona Bena, Menye Maha, Eye Simon Petro, Ho Eji Globena, Ho eji blobena, wenye Kristo mau bagbela pevi, ke Yesu do enu blo ne bena, oyirao Simon ba Yona, elabena, nuti la plevu me de esiafia o, negbe fofonye silejipo lako, eye nye ha mele blom, na obena, Wenye Petro, eye nene be gbaja siaji, matu nye halado, eye chiepe pe agbowo, ha, mele eji duge o. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Apetola neira e peña. Une révélation puissante. Nous sommes de défia. Une révélation puissante. De défia, c'est ça. On parle d'une révélation, c'est un phénomène par lequel une réalité cachée ou ignorée se manifeste. Opona nu kunade de defianti leimeke nade ike uloa de dogo. Ou bien une réalité qui s'impose soudainement à la conscience ou à la connaissance. Allo nyatepe de ike de dogo ye amo jesi azon. Ce qui existait depuis mais était caché et les gens n'ont pas su. Ne l'ont pas connu, mais soudainement, ça s'impose et on arrive à prendre connaissance de ça. Nade yike le hoho ya mome jesi ya momo kpokpo, voazile kakwa elazen e wa toyo kui doanyi ya mola jesi azon. Et si nous faisons allusion à la révélation divine, nous allons dire que c'est la communication que Dieu fait de lui-même à l'humanité. Et yé nini be miyato sople et maounya pe de defia. Nya globena esianye nya ike mau glonana epehia ye le gbogbome. Une communication ou bien Dieu donne quelque chose, une manifestation par rapport à lui-même, concernant lui-même à l'humanité. Alo nya de ike mau aglona amo sokure yinto enti. Donc nous avons dit que révélation c'est quelque chose qui existait et qui était dans l'ignorance, mais soudainement on prend conscience de ça ou bien on rentre soudainement dans sa connaissance. Que zade ami globena de defianye na de ike le hoho eye amome jesi o vazire kakwa elazen ya mola jesi. Donc souvent dans la vie courante, dans l'exercice de nos activités, dans plusieurs domaines, ke ejeji alenya pe do o mele nya pe agbenon keke o mia le go gere o mela. Nous savons que il y a toujours des réalités qu'on n'arrive pas à discerner, mais par au fur et à mesure, par le temps, on a soudainement bien par exercice de ce travail de foi, on arrive à déceler certaines réalités qui étaient cachées. Nya kwe bena ejeji a Nadoli kemimenyo gake le dowa e dowa mela bereka kwa mieva kpona nade o yemi dena jesi nade yo le waula menami. Et on arrive à faire une découverte d'une connaissance cachée. Et mieva dena jesi nade ike wula domi yemi dolanya. Et nous voyons que ça arrive au fur des temps, ça arrive dans plusieurs domaines dans nos connaissances. Et mia kwebena esi aveneme ejeji le gogede ome le nyape nou nyape nya ome. En effet, de quelle révélation vous allons-nous ou bien s'agit-il de ce en ce moment? Que de defia kaye kami le gapopo siamo. Je nous avons dit que il y a dans les domaines de la vie, nous parlons des révélations, des connaissances cachées qu'on découvre après. Donc, de quelle révélation s'agit-il actuellement dont nous voulons faire allusion? Elle a besoin de amie globina le nyape do omia le mieba gbenon keke omia. Mieba dena jesina de o yonye de defianami ke le tepe yare de defia kantie mi japon nukudo. Donc, à la lumière de textes bibliques que nous avons lu, tane mia sokpo kupi omie hlela. Donc, ces textes nous mettront au clair de cette révélation dont nous voulons parler. Si nous nous référons au texte que nous avons lu, nous avons vu que Jésus, avec ses disciples, dans son exercice de son ministère, arrivé à Césarée, Jésus a posé une question à ses disciples. Et mais que Jésus va do Caesarea pento mais a ewo biabiadena et penusrolao. La Bible nous dit dans le verset 13 que Jésus demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis? Bible allez blonami le pukui huye tolia mebena Jésus bia et penusrolao nyakaye amo le globe menye. Donc Jésus a posé, il a fait sortir une question, il a posé un problème par une question. Yesua, et wa biabiade, y kenye kuhade be biabiae.
Il sait que il est avec les disciples. Et il est là, il est plein, que nous les disciples marchent avec lui. Nous serons allés en plein. Et Jésus sait que dans son exercice, la foule, les gens qui le suivaient autour de lui, la population, souvent ils ont des questions concernant sa personnalité. Et Jésus n'y est bien. Et même qu'il est wipe do ye amovana amehaovana bia bia do le kokoko ya moja no wokure pa menyanti. Les gens se posent des fois, s'il fait des miracles, ils disent il est qui est-il pour faire ceci. Les gens disent on lui attribue certains des noms. Et Gédéon onu kunula amobiana mekai onya onu sio amochon ko Gédéon. Ce n'est pas que Jésus ne savait pas tout cela. Menye be Yesu menya nu sio. Mais il a eu encore, il a pris cette occasion encore pour poser la question à ses disciples. Et il leur a demandé, que dit-on que je suis? Dans le verset 14, la Bible nous dit, les disciples ont répondu. D'autres disent que Tu es Élie. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Pour les autres, tu es Jérémie. Et d'autres, tu es l'un des prophètes. Est-ce qu'il y a un problème qui tourne autour de la personnalité de Jésus? Les gens n'arrivent pas à connaître, à discerner de quel type de personne il est. Elle a bien un amour à chaque le Yesu pe amenyanti amour mette le déjesi amène que Yesu agne tout. Ils n'ont pas eu l'occasion de connaître de croire tout ce qu'il dit même là. Ils n'arrivent pas à connaître la personnalité de Jésus. Elle a bien le nous yokata Yesu on amenya yokata Yesu bonamia. On mette le déjesi Yesu ba amenyanto. Donc quand Jésus a posé la question, les disciples ont donné les réponses de la population, ce que les gens disent autour d'eux. Oui, c'est ce que les gens disent. Et Jésus a reposé encore la question. Dans le verset 15, Jésus a maintenant indexé ses disciples. Et il dit, oui, les gens disent que je suis prophète, loin des prophètes, Jérémie, Élie, Jean-Baptiste. Et vous, qu'est-ce que vous vous dites de moi? Qu'est-ce qui suis-je? Amo le globe menye nyanglodi lao dometo de ka Elia, Yeremia, ple esia ple kemeo, miyawo yade, me kae miye le globe na menye. Alléluia. Amen. C'est de là que Pierre, Simon Pierre a pris la réponse, la parole. Que le eyi ma meye Simon Petro a kweji a glonebe. Pierre a donné une réponse dans le verset 16. Petro enna dontiade le kupiwi adeliame. Et Pierre dit, eyo globina, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Wenye Christo maugba gbe la pevi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Wenye Christo maugba gbe la pevi. Oui. Eh. C'est une révélation que Pierre a donnée. Esianye de defiade ike Petro na. Jésus était avec eux. Yesu ke le gbaklio. Et Jésus même parlait, il parlait de sa personnalité. Des fois, il donne des paraboles. Et il dit qu'il vient du Père, il vient d'en haut, il est le Fils de Dieu. Yesu ke nanyi gbaklio, e pona nu kunade yen todo kwinti, bona bena yecho jipo, yecho ma yenye ma ugbagbe la pevi, yecho jipo. Et je le suivais, il faisait des miracles, la population le suivait. Il voyait les miracles, les guérisons que Jésus opérait. Ses disciples même étaient à côté de lui, ils suivaient des enseignements, ils voyaient tout ce que Jésus faisait. Malgré les œuvres, tout ce que Jésus faisait autour avec eux, Togbo be Yesu ona nu gere o le wa pa haojia.
Ils suivaient Jésus. La population aussi voyait. Mais jusqu'à ce moment, ils n'ont pas connu ce que Jésus est en réalité. O basaye suado du kocha basaye suado gwa kakavado gapopuwa mela o menya meke yesu anyo. Ils n'ont pas connu, ils le voyaient même de face que c'est le fils de Joseph, le fils de Marie, telle question, telle tata, c'est Jean-Baptiste qui était revenu. Donc ils faisaient des choses, donnaient des illusions autour de Jésus. O kona yesu a yo agbonabe na yo sepevi edobe na Johannes ye gat Johannes machide talai gatrogbo o menya nya itutu ka yesu. Et avec ses disciples, Jésus a pris le temps de voir qu'est-ce que les disciples ont, qu'est-ce que eux ils comprenaient depuis qu'il est avec eux. Est-ce que réellement ils l'ont connu en tant que ce qui il est? Et à ta Yesu avanani a wobia bien un peu nous serons bena wa tu akpo benare ni akaye amo le brosoya manti nous serons la yayo le bakple tepe di diare de o de jesi ameke yenia. Et quand Pierre, Simon Pierre a pris la parole, il a donné la vraie réponse. Il a donné une réponse qui est une révélation cachée. C'est Jésus est le Fils, il est le Christ, le Fils de Dieu. Il est le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus a dit à Pierre, oui, tu as bien parlé. Mais ce n'est pas toi-même qui as eu cette connaissance par la chair et le sang. Mais ce n'est pas la grâce, c'est mon Père qui est aux cieux qui t'a révélé cette connaissance. Donc ils étaient nombreux, mais la grâce est donnée à Pierre seulement de pouvoir discerner, de connaître réellement la nature divine de Jésus. Ok, le Yesu anti sobo kaka menvevia Yesu Petro yasibena wadejesi Yesu ba menyenya. Que dis-tu de Jésus? Comment tu prends Jésus? Qu'est-ce que Jésus représente pour toi? Aujourd'hui, il y a plusieurs questions qui tournent autour de l'adoration bien de Dieu et de Jésus. Comment comprends-tu? Comment? Quelle révélation tu as de Jésus? Oui, souvent nous le prononçons, nous disons que je crois en Dieu, je vais à l'église, Jésus est le Fils de Dieu. Oui, c'est facile de le prononcer par la bouche. Mais il faut que tu te laisses pour que le Saint-Esprit se revêt à toi, pour que tu connaisses réellement la divinité, la personne de Jésus. Et gake leve vede bena na tati le doku yonti gboko ke bakpede nti o. Ale bena na tema de jesi, Yesu pa menyenye le bokbome. Toi qui n'as pas connu encore Jésus, tu as besoin de ça pour que Jésus se révèle à toi. Pour que tu connaisses réellement ce que Jésus est. Et voye keme po de jesi Yesu o la. Ele na vevere bena tem a wo nu metute ana tatil dokumenti bena tem a de jesi yesu adnya ameke yesu nye tutu. Et toi qui vas à l'église, eye wo ikenele icho tu vois, il te faut aussi avoir une révélation profonde de Jésus pour savoir comment l'adorer. Ele na bena na tem a ko de defia le meme kure yesu nti ale bena tem anya le ikena subwe. Dans le verset 17, le pukui adrenyamia. Jésus dit, Yesu blobena. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, car tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Yesu kwa eji blobena oyirao. Simon ba Yona Ela bena menyen ti la plevuye de esiafia o. Tu es heureux. O yirao. Cette révélation. Quiconque a cette révélation de Jésus et reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu est une personne heureuse. Amesame ke a kwa de defia ya kure Yesu nti e wa de jesibena Yesu nye Christo mamba gbe la pevia nye ameyagira.
On lui a dit, tu es heureux d'avoir reçu cette révélation. Parce que quand tu vas reconnaître Christ en tant que... Tu reconnais Jésus comme le Fils de Dieu, le Christ, le Sauveur de l'humanité, cette révélation te rendra heureuse. Et la bena, j'allais citer na deje si bena, Yesu nye Christo. Et il a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est pas la personne de Pierre, apôtre Simon, qui a répondu à la question. Ce n'est pas sur lui, sur la pierre dont il est, que Jésus a dit qu'il va bâtir l'église sur lui. Sa personnalité, non. Menye Petro a megbeton ti la ya ike Yesu le gbona be yin pe a menye jie Yesu le gbona be ja tu ibe hado awo. Mais cette révélation en disant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est la pierre. Jésus étant le Fils de Dieu, il est encore le rocher. Et c'est sur cette rocher que Jésus va bâtir son église. Gake Dedefia ya ike Petro kwa le globena Yesu nye Kristo mangba gbela pe via. Yesu ike ganye pe gbajala. E ya jie o le globena ya tuibe hado. Si nous allons dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 4, Jésus a dit, l'apôtre Pierre a écrit là-bas, approchez-vous de la pierre vivante. Nenye ide Petro pe agbale gbanto mela. Chapitre 2, le verset 4. Approchez-vous de la pierre vivante. Donc cette confession révèle que Jésus est la pierre vivante. Il est le rocher sur laquelle, le rocher sur lequel on doit bâtir l'église de Christ. Ça aime vous vous y allez défier bena Yesu enye pe gbaja ikejie odola tuhame aro. Et il a dit que s'il bâtit l'église sur ce rocher, la mort et le séjour des morts ne proviendront pas contre elle. Et yo gbo bena ne yetu ibe rade pe ajira e kunto gbohan pe che pe pagbo o ma do eji o. Ce n'est pas les quatre murs de l'église dont Jésus fait allusion ici. L'église dont Jésus parle ici, c'est moi, c'est toi. Donc quiconque acceptera cette révélation, qui va reconnaître que réellement Jésus-Christ est la pierre vivante, le rocher sur lequel il doit bâtir sa vie, il sera une personne heureuse. Que amesameke akode defia ya anyabena Yesu enye epe gbagbela ikeji wa tu ipagberola anye ameyayira. Jésus est la pierre vivante. Yesu enye epe gbagbela. Et il dit que si tu bâtis ta vie, tu le reconnais, tu l'acceptes et il rentre dans ta vie, cette révélation, tu l'as avalé spirituellement, tu es confiant que vraiment il est le Christ, ça bouleverse la vie et ça organise encore, ça réorganise la vie. Iye nenyi bene de Jesse e ne khwe abe de la pape apeto ene e ye ne tu wo khosia de amajira e sia atro chakanwo e wa gbogbo adowo agbado. C'est une révélation puissante. Enye de defia se wa de. Et si cette révélation tu la reçois et tu te confies à elle, ça agit, ça influence, ça change ta vie. E ye nenyi bene chodo ki o so kure de defia yantila atro agbe. Parce que tu reconnais et tu choisis que Jésus est ton sauveur, il est le Christ, il est venu pour te sauver. Et la bena ne de Jesse, eye ne tient bena, Yesu ne nye o de la ple apeton, e va be adeo. Et il t'a dit de s'approcher de lui, c'est lui la pierre vivante. Et yo gbo bena, one te gogoi, e la bena ye nye ekpe gbagbe la. Nous tous nous savons que si tu veux bâtir une maison et tu creuses tu choisis un milieu sablonneux et tu n'as pas bien creusé. Si il pleut, la maison va s'écrouler.
Mais si tu veux construire, tu as fait bien, tu as posé bien la fondation et c'est dur. Quelle que soit l'inondation qui va arriver, cette maison va résister. Wakene ni benedo gomedo pe nue gomedo pe asinula me kachijaja yo avawa e koya anote sisi. Donc si nous prenons Jésus-Christ qui est la vraie révélation, la révélation puissante, nous avons fondé, nous avons bâti notre vie sur ce Jésus, ta vie sera tranquille, sera solide. Kene ni so Yesu ikenye de defia sinu toya. Iye ni tunya pe agbe ode Yesu ajila e kema il dit, les séjours de mort ne prévaudront pas contre elle. Et globena, et tu es pas pago magdu et amadi o. Ce n'est pas les murs, c'est moi, c'est toi. Ce qui veut dire que la mort n'aura pas d'effet sur nous. Quand tu vas choisir Jésus, tu deviendras une église spirituelle pour Dieu et tu reçois cette révélation. La mort ne prouvera pas contre toi. Menye glio be nyami le blog ake nye gbaklo pe nyami le blog. Si gome nyi bena nyi bena tia Yesu ene nanyire jila eke ma eku ma duji o o. Et si la Bible parle de la mort ici, ce n'est pas la mort physique. Kene nyi be Bible ale ponu kure eku nti le tepe ala, menye nti la mebe kuve nyayo. Cela ne veut pas dire que quand tu es chrétien, tu ne vas pas traverser des situations difficiles. Menye si a gome nyi bena nyi ne Christo to ama tono no me se se ome o. Mais dans ces situations difficiles, la pierre vivante qui est Jésus et est ton soubassement et tu ne vas pas tomber. Tu ne vas pas trébucher. Tant que tu te tiens sur cette pierre, tu seras solide. Quelle que soit la tempête, Jésus sera toujours avec toi. Il va te tenir. Donc spirituellement, tu seras fort. Le quel esprit ils vont faire mais ils ne vont pas te vaincre parce que tu as cette révélation dans ta vie. Tu reconnais que c'est Jésus Christ qui est ton sauveur. Tu reconnais que Jésus Christ est le fils de Dieu, celui qui est venu pour sauver. Il n'est pas un homme simple, il n'est pas le fils de Joseph seul. Mais il surpasse l'humanité. Il tient le monde dans sa main. Il tient ta vie dans sa main. Donc il faut que tu crois en ce Jésus. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus. Et tu continues à voir Jésus comme les autres prophètes. Ceux qui considèrent Jésus parmi la foule comme un prophète. Qui le voyait comme Jérémie, qui le voyait comme Élie, ceux qui le voyaient comme Jean-Baptiste, ne pourront rien recevoir de Jésus. Mais ceux qui ont reçu Jésus ont cru que celui-ci, il n'est pas un homme, mais il est un Dieu. Jésus se révèle encore davantage à eux. Donc il faut que, quel que soit ce que les gens disent autour de toi, il faut reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Tu as besoin de Jésus pour que ta vie soit heureuse. Car il a dit à Simon, toi qui as eu cette révélation, toi qui as pu cette vérité cachée, cette vérité que les gens ont ignorée, volontairement, je parle, mais ils ont ignoré, je parle, mais volontairement, ils ont ignoré cette réalité. Toi qui as su connu, tu as pu su connaître cette vérité, tu es béni, tu es heureux. Oui, que tu as de défié, la mehao dome, to bobina, me blonejeji, me ponangake, le wape lolonu famia, o bebe yoma de jesiwa, et oui, que tu de jesila, a me yaira enenye. Sans cette révélation, de défié à Manuel Mela, ta vie ne sera pas heureuse. O matemania me yaira.
Si tu veux avoir une vie heureuse sur cette terre, ne dis pas wa bia wa nya gbe ya jira la ni gba aji la. Ça ne va pas s'arrêter sur cette terre. Et ma se ni gba aji ko la. Après cette terre, le yihe a me gbe a. Au-delà dans l'autre monde, le yihe le gobu bu me le yihe ma dame. Tu continueras à être toujours heureux. A poto anya me ya jira. Il faut accepter cette révélation. Tu dois accepter Jésus-Christ. Et de la croix, Jésus-Christ. Afin que ta vie soit heureuse. Bena wa bia wa nya gbe yayira. Parce que Simon était avec Jésus depuis. Et là, bena Simon le ple Jésus était petit. Mais Jésus ne lui a pas dit tu es heureux. Voyez ce que Gloné Bena me yayira. Mais au moment où il a su que Simon a eu cette révélation, il a compris qu'il est le Fils de Dieu. Et il a accepté dans sa vie, il est rentré dans sa vie, il a connu la vérité cachée. C'est en ce moment qu'il lui a dit que tu es heureux, Simon. Voyez me que Eva de Jessibena, Petro te nyame ke yenye, eye e choué de pak bemia, e maï me o Gloné Bena, o yira o Simon. Tu traverses des moments, tu es troublé, tu ne sais quoi faire. Elle est toi, tu n'as personne pour déverser tes problèmes sur eux parce que tu n'as confiance en personne. Mais Jésus, lui, s'il rentre dans ta vie, il réorganise la vie, il rend la vie stable. Voyez, si elle n'y veut guérir de Omela, elle a beaucoup d'ouagbiaro, elle a n'abena liké. Il va faire que ta vie sera changée. Elle a n'abé ouagbiala tro. Même si tu es troublé n'importe comment. Nenega chaka lek bebeha. Si Jésus, la pierre vivante, la rentre dans ta vie. Ne Jésus, pekba bema guérir de Omela. Il met une assurance. Il te rassure. Il te donne la paix intérieure. Même si tu es avec Jésus, si tu traverses des problèmes même, lui, il s'en charge. Et il te donne la paix intérieure. Et après cela, tu auras encore la vie éternelle après ton départ dans ce monde. Donc si tu nous écoutes en ce moment, et tu ne connais pas encore Jésus. Et je me porte Jésus. Ou bien tu doutes de la personnalité de Jésus. Allô, mais le cadeau Jésus pas mené ni à Dieu. Tu le vois aussi comme les prophètes. Ohane le quoi abe niangbrodi lao dometo de ça. Tu le vois comme les marabouts. Et le quoi abe fakala ouenia. Tu le vois comme un faisait de magique. Et le quoi abe magique itonenia. Non, change de mentalité. Ah, autre sous. Jésus est le Christ. Jésus a nié de là. Celui qui est venu mourir sur la croix pour toi. Amen. Celui qui est venu se révéler, qui nous a donné l'image, la révélation, la vraie révélation de Dieu. Amen. C'est lui qui peut changer ta vie. C'est lui qui peut te rendre heureux. Si tu arrives à accepter, l'accepter, le reconnaître comme étant Dieu, étant ton sauveur, il va régler ta situation. Lui, il est là pour toi. Il attend seulement que toi, tu crois en lui. Et que tu places ta confiance en lui. Peut-être toi tu vas à l'église, tu as déjà fait ton choix, tu vas à l'église. Mais jusqu'alors, tu doutes encore de la personnalité de Jésus. On dit que Jésus sauve. On dit que Jésus guérit. On dit que Jésus fait des miracles. Mais toi, tu vis une situation que tu ne trouves jamais solution. Que cela ne te conduit pas à douter de Jésus. Reçois cette révélation. Cette révélation qui libère, c'est la confiance en Jésus. Le fait de reconnaître que Jésus est le Dieu, il peut tout.
Atima wo nu siami. Et il fait tout. Et yo wo na nu siami. Il est le sauveur. Enye de là. Il est celui qui guérit. Enya me ine yo na do. Le détenteur de la puissance de ce monde. Ame ike legi ki akata pe nu se da lome. Quand tu vas croire en ce Dieu. Le croire ma ou magi se là. C'est en ce moment que cette ta foi va te guérir, va te libérer. Ta foi va te libérer. Cette croyance, cette révélation que tu vas accepter va rendre ta vie maintenant libre. Parce que quelqu'un est rentré dans ta vie. J'avais dit que s'il rentre dans ta vie, il va mettre un désordre d'abord. Parce que quand lui il rentre, tout ce qui est obscurité, il éclaire sur ces choses. Et il commence à te dire ceci n'est pas bon, ceci n'est pas bon, ceci n'est pas bon. Donc dans ta tête, tu seras troublé sur ta vie passée. Même quand tu l'acceptes et tu crois à tout ce qu'il te dit et tu commences à marcher selon la révélation qu'il te donne, tu vas voir que ta vie sera maintenant ordonnée. La vie que tu menais va changer, les mauvaises vies vont changer à une bonne vie. Quand tu vas accepter qu'il te conduise, tu vas voir que ton caractère va commencer à changer. Il va commencer à mettre l'ordre dans ta vie. Dans la société où tu étais, tu n'arrives pas à être en joie. Tu es toujours aigri à cause de ta situation. Tu vas voir que Jésus va mettre une joie en toi et tu vas changer dans la société là. Du quoi il kemenele et yé mette pona jijo so kude wo nonomiantia et la kwebena yesu ahe jijo popova agdome et nanon jijo popomele du komame. Il faut que tu acceptes Jésus. Il faut que tu acceptes cette révélation. Jésus-Christ qui est le roc. Yesu ikenye pegbala. Le premier et la grande fondation de l'Église. Oui. Si je dis l'Église, c'est toi. C'est moi. Donc c'est lui qui est la fondation de notre vie. C'est lui qui peut fonder notre vie. Sans Jésus, tu ne peux pas fonder ta vie. C'est Jésus qui peut transformer ta vie. C'est Jésus qui peut fonder ta vie. C'est avec Jésus que tu auras l'assurance de ta vie. Sans Jésus, ta vie n'a pas d'issue. Toi-même, tu vas t'efforcer. Tu vas courir. Tu vas faire n'importe quoi. Mais si Jésus n'est pas avec toi, ça serait vanité de vanité. Vanité de vanité. Mais viens à Jésus. Accepte sa révélation puissante. Et laisse-le venir rester dans ta vie. Régner dans ta vie. Quand lui va régner dans ta vie, tu vas voir que ta vie sera rassurée. Oui, tu seras rassuré. Tu auras la paix de cœur. Tu ne seras plus dans la crainte. Dans les inquiétudes. Dans les soucis. Non, parce que Jésus est avec toi. Parce que celui qui fonde ta vie est avec toi. Mon frère, ma soeur. Laisse-toi à Jésus. Reçois cette révélation. Reconnais Jésus comme étant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui est venu pour te sauver. De Jésus, Jésus, avec Christ, ma ou bagbe la pevi, ame ne va be adeo.
Toi qui dis que tu le connais, il faut que tu aies encore une expérience profonde, approfondie encore ta relation avec lui. Et oui, qui ne le blabé Jessia, elle est nobe na gaonu metoto pleyé soa, et metoto garde pleyé soa. Il faut que Jésus se révèle particulièrement à toi, comme il a fait cette grâce à Simon. Et le bena Yesu na ba de do ki fi autorité a balé o wa menu veve ana petro. Les disciples étaient beaucoup, ils étaient 12 à marcher avec Jésus. Nous serons là que so gba il y a la foule qui marchait aussi avec Jésus. Mais cette grâce a été donnée. Jésus a dit que Simon, tu as eu la grâce que mon Père te révèle ceci. Voilà, amen veve sous Petro aussi et soit globena et si amen veve soit aussi obena fofonye de si afion. Oui, nous adorons ensemble. Nous allons tous à l'église. Nous sommes nombreux dans le dimanche là. On est nombreux dans l'église. Mais ma soeur, mon frère. Laisse-toi que Jésus, tu aies une révélation particulière avec ton Dieu. Il faut chercher la soif, il faut avoir cette soif. Simon était la seule à eu cette révélation. Simon de Kakwe était roi de Fiaya. Oui, parmi les disciples. Les nous serons là. Il faut que tu demandes cette grâce auprès de Dieu. Pour que dans ton adoration, pour avoir une révélation particulière, individuelle avec Dieu. Le osu bosuba me bena na tem ado kachacha toriare ple umau. Ceci, en le faisant, tu vas voir que ton adoration va changer positivement. Ne esi ave mela na kwe bena osu bosuba atovo le nonome nye tome. Tous les plaisirs de ce monde derrière lesquels tu cours, tu vas voir que tu vas abattre, tout ça va devenir vanité pour toi. Tu n'auras même, ça sera ignominie pour toi parce que tu as eu une révélation particulière avec ton Seigneur. Hiche ape vivise se yo ne plodola e se okata avatrozu to flokona o elabena ne do de defia toreare kude o maunti. Mais sans cette révélation, voix de defia Emmanuel ton adoration sera à dents de scie. O subo subwa ano iji ano didi. Parce que tu es dans la foule seulement. Elabena la meha o domeko. Toi aussi tu crois seulement comme la foule, prophète quoi, Jésus est quoi, Jésus est quoi. Tu ne connais pas l'objectif précis de Jésus dans ta vie. Ela bena o hane jana opo epo bena Yesu nyenu ya play ya leke me nyata dojinu tohe ike le Yesu si lagbe omo. Il faut que nous cherchions cette révélation particulière dans notre adoration. Ele nami bena mi aji de defia tohe ya le mi ape subo subo me. Et toi qui ne connais pas Jésus. Eye wo ike mi po ho Yesu wa. Accepte cette révélation. Ho de defia ya. Ça va changer ta vie. A tro ontinya. Spirituellement. Le bobo me. Et physiquement. Tu vas voir que tu vas devenir un nouveau homme. Tu vas devenir un nouvel homme. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur t'aide en ce moment. À comprendre cette révélation. Que Jésus n'est pas comme les prophètes. Il n'est pas homme comme les autres prophètes. Non, il est un Dieu. Il est Dieu. Et il est là pour te sauver. Il est là pour bâtir ta vie sur lui, le roc. Laisse ta vie dans sa main, il va rebâtir ta vie propre. Et quand toi-même tu vas revoir ta vie, tu vas dire que tu vas t'étonner et les gens autour de toi seront étonnés. Et yene won ton ne va po agbia a omoya nao ya me yo tro don ti ohala a omoya nao. Tu vas dire que c'est moi ça. A bien de que c'est ben nyia. Oh Jésus m'a reformé. Oh Yesu tro tumdo. Jésus m'a façonné. Yesu tro wom yeye. Jésus va te changer. Yesu a tro ontia. Et tu vas devenir quelque une personne en beauté. Yena tro zo mere ka nya popo. Oui, les gens vont t'admirer. A moi et toi-même, tu vas admirer ça. Oui, parce que lui, il façonne. Il rebâtit.
Et s'il te prend, Nesowa, il va te donner une beauté qui n'existait pas dans ta vie. Il va donner une gloire à ta vie. Il va décorer ta vie. Une décoration parfaite. Il va te faire sortir des ténèbres. Il va te faire sortir de la boue. Il va te faire quitter le dépotoir. Et il va te reconstruire. Il va changer ta vie. Tu vas devenir quelque chose qui brille. Oui, parce que sa vie est dans sa main. Donne ta vie à Jésus. Reçois cette révélation qui va te changer. Il va donner un nouveau éclat à ta vie. Jésus est là pour te sauver. Jésus est là pour te sauver. Toi qui doutes à cause des problèmes. Non, Jésus change. Il transforme. Il transforme. Oui, rassure-toi. Crois en lui. Oui, Jésus est là pour toi. Que son nom soit béni dans ta vie. Nous allons prier. Prie pour une âme en ce moment. Fiamavon nous sion katato di pople aniba ola akbenao. Le gapo siamia ega jojinao e ojenu obena na wa menveve toheana amegbeto pou menvila kata. E ye vi o no toji kakavado gapo siame. Yo wa zebot. Amade ike se okbe le gapo siame. Yo nyebe me kwa deje siyame ne nye ola, dedoki yo fia bale ne defia petro ene, le Yesu Kristo na zaye troa penkome. E yene ne defia, pere ya mantibe wa gere o ya jiralame, wa hoji yo se, e wa chwebakbe asa vona o, le Yesu Kristo na zaye troa penkome. E weke trona me pentinya, o dolare kwa wo, e ye o kareji yo, gamia su papa bena, na dedoki yo afye, e ye wa nyebena, e we tu na me pakbe. Yo wa zebot, tu vi o pakbe, le gapopo siyame, benanti kokwena nye o rekare deto, le Yesu Kristo na zaye troa penkome. Amen. Amen. Nous disons merci à Dieu qui nous a été fidèles jusqu'à l'heure là. Merci aux techniciens. Merci à toute l'église de Zupumahe et au comité de Zupumahe qui ne cesse de nous soutenir dans cette émission. Les opaepe akameti yo me omejujo pepede nami le dodo yamo. Je dis merci coucou à mon chéri monsieur le pasteur le révérend Lanwi. Ke miano le do akpena esro loloto révérend Lanwi. Que le Seigneur le bénisse. Apetola neire. Si tu veux adorer avec nous, nous sommes à Zupumahe. En face de l'école publique primaire de Zupumahe. Le Zupumahe pe gomejeje sukula pe nko. Nous adorons les dimanches à partir de 6h à 9h30. Nye subona kosira ogbe cho gaden gaden hoho. Soi gache ke ple afan. Mercredi étude biblique. Et courage bien mieux on a Bible nous sortons 4h30 à 6h. So gagner plafond so y garder. Matin. Nde fofo me gagner plafond so y garder. Parce que Evela ça ne met pas distinction comme ça. Ok. Vendredi 18h30 à 20h. Et fida bien tu withdraw garder plafond so y gagner. Que le Seigneur vous bénisse. Et que cette révélation rende votre vie heureuse. Soyez bénis. Shalom, shalom.